Sa prise de parole avait en fait parler. Invité dans l'émission C'est à vous, il y a quelques mois, Emmanuel Macron avait été interrogé sur les accusations de viol et d'agression sexuelle à l'encontre de Gérard Depardieu. Et le chef de l'État avait dénoncé une chose dans laquelle vous ne me verrez jamais, ce sont les chasses à l'homme. Je déteste ça. Mais pour de nombreuses femmes et associations féministes, ces propos défendaient Gérard Depardieu et enfonçaient un peu plus les victimes de violences sexuelles. Un point de vue que partage Isilde Lebesco, actrice et réalisatrice qui se confie dans un livre Dire vrai et décrit les violences sexuelles présentes dans le 7e art. Interrogée par nos confrères de BFM TV, la cinéaste n'est pas tendre avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'a probablement jamais vécu des choses difficiles pour qu'il mente à ce point à lui-même et à toute la France. C'est faux ce qu'il dit. Comment peut-il considérer les femmes en disant et en agissant comme il le fait, se demande la comédienne. Quand on voit que une femme violée n'est pas considérée, que la justice place ça sans suite, je trouve ça absolument fou. Macron méprise les femmes au plus profond. Sinon, il aurait un autre discours. Il tiendrait à cœur un minimum de choses. Selon ses dires, le chef de l'État porte des déclarations remplies d'hypocrisie. D'un côté, il dit aux femmes de réarmer la France et de l'autre, toutes les plaintes sont classées sans suite. C'est d'une ambivalence absolue. Isilde Lebesco, qui a dénoncé les faits de violence dont elle a été victime, est très amère face au terrible constat qu'elle fait. Un homme peut violer, il peut taper une femme, il peut l'écraser. On est dans cette société. Des mots très durs mais qui ont déjà été prononcés par tant de femmes, actrices mais aussi médecins et internes en médecine, qui ont décidé de briser le silence sur les violences dont elles sont victimes chaque jour. Après le hashtag MeToo au cinéma, c'est à l'hôpital que certaines femmes parviennent à se confier et à dénoncer ce qu'elles vivent au quotidien.